Merci Seigneur. Seigneur, nous rendons toi grâce pour ce soir et nous louons toi parce que nous connaissons, Seigneur, que tu proposes davantage dans nous les cœurs, hein, parce qu'il y a un plan merveilleux pour chacun de nous. Oui, Seigneur, tu voulais que ta parole fasse ce travail dans nous la vie, afin qu'il nous mordent toute la lumière et qu'il nous mordent toute justice pour la gloire de ton nom. Nous remercions toi pour tous ceux qui pouvaient écouter cette parole ce soir, Papa, et nous rendons toi grâce parce que nous connaissons ta parole et pour faire sur l'effet dans le cœur de chacun de nous. Nous nous disposons, nous les cœurs, maintenant, pour recevoir avec douceur, avec humilité, tes paroles. Oui, Seigneur, qui pour convaincre nous et qui pour éclairer nous davantage plutôt la gloire. Merci, Papa Céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, notre Dieu. Amen. Et bonsoir à tous, et encore une fois, mais excusez-nous pour l'interruption. Et nous vous commandons directement dans le message pour la gloire de Dieu. Mon cause connaît le qui nous peut causer aujourd'hui. C'est dans Proverbes, chapitre 13, verset 3. Il dit : celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Ce soir, mon cause avec vous, comment il est important que nous veillons la bouche si nous voulons avancer et réussir dans la vie. Parce que Dieu finit de nous la bouche, pas seulement pour manger, mais il finit de nous la bouche pour nous capables de causer aussi et pour nous capables de communiquer avec les autres. Mais pas seulement communiquer, pas seulement causer, mais qui nous causer, qui nous communiquer, qui est important. Ce soir, moi, pour les autres, prête beaucoup l'attention à ce qu'ils ont vous tendez. Et je vous demande, mettez-vous dans une position que vous sentiez à l'aise pour recevoir l'instruction de Dieu. Nous prions que ça lève là de continuer ce qu'il nous a terminé pour la gloire de Dieu, parce que nous pouvons remarquer que ces quelques temps, nous avons gagné beaucoup de problèmes concernant nos lives d'un mardi. Et pour moi, il y a un bon signe, dans quelle façon? Parce que l'adversaire peut le faire tout ce mieux possible pour empêcher nous presser la parole de Dieu. Parce qu'il connaît qu'il y a beaucoup de monde, je peux être éclairé dans la parole et je peux prendre une décision pour Jésus-Christ. Merci Seigneur. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et d'après passion versus passion, disons-nous qu'il y a quelqu'un qui veille sur la bouche, il protège sur l'âme. Il préserve sur l'âme. Et si nous besoin explique l'âme, nous allons dire préserve sur la vie même. Il protège sur la vie. Vous connaissez, vous montrez-vous comment et nous la bouche, souvent des fois, il est capable d'amener nous dans une bonne direction, comment nous la bouche est capable de faire nos phrases par devant. Il est capable d'amener nous à nos chutes. Parce que ce qu'il nous dit, elle est tellement important. En fait, causer, il est bon nous causer, mais qui nous causer, qui est important. Qui l'engage, nous servir. Comment nous exprimer nous-mêmes à travers la parole. Qui nous dit. Et bon, montez-vous comment, et souvent des fois, ce qu'il nous dit, il sortit directement dans nous les cœurs.
Ce qui est même dit très clairement, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est qu'il y en a dans le cœur, c'est même que vous dites à l'extérieur. Il suffit que vous écoutez un petit monde causer, vous finissez l'idée qu'il y en a vraiment dans ce cœur. Si ce cœur est sincère, il est honnête, vous finissez connaître. Parce que ce qu'il y en a à l'intérieur, il peut mettre à l'extérieur. Il y en a aussi qui. Nos paroles, souvent, des fois, c'est un produit de nos pensées. Nous montons aux autres versets là tout à l'heure, mais là, on peut faire simplement une introduction pour être capable de gagner l'idée en quelle direction nous devons aller. C'est nos pensées, elles poussent nous pour dire bien quelque chose. Alors, je vous montre comment et nos pensées sont dans nos équerres. Jésus-Christ même dit qu'il y a une mauvaise pensée, elle sortit à l'intérieur. Il se tient du cœur. Et ça m'a une mauvaise pensée là, elle sortit à travers nous la bouche. Nous disons quelque chose, une parole. Nous proclamons, nous confessons, nous dire, nous déclarer. Qui bien sûr, s'il y a une mauvaise pensée, nous pouvons dire quelque chose qui est mauvaise. Et puisque cela, il pousse nous pour faire une action. Nous tout connaissons que n'importe quelle action qu'un démon fait, il bien commence par une pensée d'abord. Il commence par une pensée, ensuite, il vient une confession, et ensuite il vient une action. Mais pour montrer ça, comment nous devons veiller? Parce que si nous entretenions une bonne pensée, nous entretenir la parole de Dieu. Nous laissons la parole de Dieu prendre son plein dans nos liquides. Hein? Automatiquement, nous vous confessons la parole de Dieu. Et quand nous vous confessons la parole de Dieu, nous pouvons agir la parole. Ça, c'est dans la loi spirituelle que mon étudié avec Josué. Dans le chapitre 1, verset 8, il dit à nous très clairement, Josué, chapitre 1, verset 8, mon étudié avec Josué, il dit que ce livre de la loi est sur un point de ta bouche. Ça veut dire que la parole de Dieu, il n'est pas quitte la bouche, tu bien causes-lui, tu bien déclare-lui. Il dit, médite la parole jour et nuit. Que veut dire que méditer veut dire aux pensées, ou alors en profondeur, ou pense profondément ce qu'ils vont désir. Vous devez les causer la bouche, les causer penser, et puis il dit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il veut dire, tu penses la parole, tu causes la parole, tu déclares la parole, tu confesses la parole, mais tu aussi agir de la parole. Mon dit avec Josué, c'est alors que tu peux gagner un succès dans ta bonne entreprise, c'est alors que tu peux réussir. Je veux dire, le succès, la réussite, deviner qu'un démon arrivait, confesse la parole de Dieu, pense la parole de Dieu, confesse la parole de Dieu et agir de la parole de Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Le peuple de Dieu, moi, je suis content de dire aussi qu'il nous dit est tellement important. Qu'il fait par ces bonnes paroles qu'il nous prononçait, ces bonnes semences. Ces bonnes semences. Quand on peut causer une parole négative, on peut récolter négativité dans la vie. Et quand on peut causer une parole positive, on est capable de faire l'expérience de positivité dans la vie. Mais seulement, positivité, ça est plus ou moins psychologique. Mais cause la parole de Dieu, c'est vous trouvez bon Dieu agir dans la vie. Vous trouvez la parole de Dieu faire sur l'effet dans la vie. Vous trouvez la parole de Dieu agir dans un moment difficile. À cause de ça même qu'il est tellement important, vous êtes d'accord avec moi, peuple de Dieu, nous passons notre temps à causer. Toute une journée nous causer. Mais qui nous causer qui est important? La Bible cause nous une parole vaine qui parfois nous prononce, une parole inutile, une parole sans valeur, sans importance. Nous perdons le temps de dire une cause qui pas servir nous dans rien, qui pas permettre nous progresser. Et nous tous connaissons les pharisiens qu'il y en a beaucoup de gens, sans qu'ils aient réalisé, ils causent une parole négative, les autres semblables. Et moi, le plus loin, vous dire qu'ils causent une parole négative, les autres mêmes.
Et ça, c'est plus grave encore. Quand vous arrivez cause négativement là même, vous dites même parole qui pas dédié là haut, vous ne pas trop négativité arriver dans la vie. Combien de gens, de tellement fin cause négatif les autres, de trop négativité viennent en réalité. Un quelqu'un tellement dit mon pour suicider, un jour mon pour suicider, et réellement il est arrivé suicider. Qui fait? Parce qu'il finit tellement cause négatif là. Et ça vient en réalité. Mais de l'autre côté, nous n'avons la même personne qui finit tout le temps cause positive, moi pour réussir, moi pour bien réussir dans mon travail, moi pour bien réussir dans mon étude, moi bien réussir dans un projet qui m'a fait là. Et vous-même, vous tournez réussir parce qu'il finit tellement croire dans le potentiel et dans la capacité qu'il y en a, et il finit déclarer. D'accord? Ça, c'est le côté naturel dans la vie normale. Langage qui nous utilisait, langage qui nous servit. Maintenant, nous causons dans les nouveaux spirituels. Quand nous causons ce qui est bon de dire, quand nous déclarons ce qui est bon de dire, automatiquement, nous ne pouvons pas trouver ce qui est bon de dire, vient une réalité dans nos vies. D'accord? Quand on trouve dans une situation difficile, quand on trouve dans une situation, quand il y a une situation favorable, quand on a un divan contraire qui peut faire face dans la vie, d'accord? Mais qui vous dit dans ce moment-là? Qui vous l'engage? Et nous finissons arriver à remarquer que souvent, des fois, hein, la plupart des fois, nous cause négativement, c'est quand nous ne pouvons pas dans un moment négatif. Nous malades, nous dans des circonstances difficiles, mes enfants peuvent faire même qu'ils soient bien besoin de faire, right? nous perdons du travail, ou bien nous sommeillons, nous ne connaissons pas ce qu'ils peuvent faire. D'accord? Là, nous cause n'importe quoi. Il ne faudrait pas aller comme ça. Nous devons prendre des décisions pour cause ce qui est bon de dire. En fait, quand nous sommes dans une situation, quand nous sommes dans une situation difficile, nous devons causer cette situation-là et nous dire ce qui est bon de dire de cette situation-là. D'accord? Vous vous trouvez que dans nos postes, je vais mettre une phrase, je vais dire que nous devons connaître qui nous peut causer. Nous devons connaître qui nous peut causer. Parce que nous ne réaliser qui ce qui nous peut dire aujourd'hui, les bonnes répercussions en partir maintenant dans la vie, dans l'avenir, nous pouvons souffrir. Et parfois, nous sommes capables de vivre la vie difficile maintenant. Nous sommes comme si tout se fermait autour de nous, même la porte fermée. Et puis nous posons la question, mais comment se fait-il que tout le temps la porte fermée, c'est capable dans les personnes qui nous négativement là, nous. Qui sont ceux qui n'ont pas réussi dans la vie? C'est bien quelqu'un qui dit aux autres. Même aux autres, même, je ne suis pas trop cher pour réussir. Je ne suis pas trop cher pour capable. Et nous connaissons beaucoup dans la Bible, qui la Bible montre nous, même quelqu'un qui, quand Dieu t'appelle les autres, parce que bon Dieu, quand bon Dieu dit qu'il y a un démon, il trouve potentiel qu'il y en a. Mais démon là, quand il guette, il n'y a pas trop ça potentiel là, quand il guette lui. Et il est possible aussi que démon là, vraiment, il peut avoir un potentiel là. Mais bon Dieu, quand il peut un démon et qu'il peut dire ça, démon là, tu es capable de faire lui. C'est parce que bon Dieu, pour donner potentiel, capacité, puissance pour faire aller. Alors que c'est que bon Dieu en avance, une finie d'aller tourner, tu es capable. Mais du moins, il peut ce qu'il ressentit, ce qu'il trouvait dans la réalité, et il trouvait qu'il n'est pas capable, il n'est pas pour réussir. Les lames qui tout du moins causé, il dit, je ne suis pas pour capable, je suis trop petit, ou bien je ne suis pas capable de causer. C'est une réponse qui nous finit tout le temps trouver dans la Bible, ben qui ken, quand bon Dieu finit un peu de choses, une cause comme ça. Je me dis, pas trop moins pour capable. Moïse qui nous connaît, qui permet que la mer rouge ouverte, pour les peuples d'Israël, passe à sec dans la mer rouge. Mais Moïse, quand on est choisi à lui pour délivrer les peuples d'Israël, Moïse, il finit de dire qu'il n'est pas capable. Il n'est simplement pas capable. Il s'y tient. D'accord? Beaucoup d'autres prophètes qui nous connaissent dans la Bible, ne pas pour cause de l'an de temps, parce que. On est à cause de là qu'on Jérémie, par exemple, qui dit mon coin des enfants. Zédion dit mon coin des enfants. Mais quelqu'un qui se trouve ça comme un enfant, et puis je dis à lui tout. Ce n'est pas seulement de trouver, je dis. Et il est important, en parlant de qui nous dit, connaît qui nous peut causer. Hein? Pas cause ce qui nous trouvait devant nous. Ne pas laisse-nous influencer par ce qui nous trouvait pour nous causer ensuite. Qui permettent nos circonstances continuent à aggraver, c'est parce que nous causons. Nous disons qu'il peut aggraver, ayons-nous comme ou pas un mot avec cette situation-là,
Et vous-même, les vignes en réalité, parce que vous tellement cause ça. Au lieu que vous dites non, mais je connais qui bon Dieu capable de moi là-dedans. Je connais qui à travers l'Esprit sur la mort, sur la résurrection. Je suis capable de gagner la guérison, je suis capable de gagner la délivrance, et je suis capable de sortir dans cette situation-là. Nous passons le temps à nous causer, nous causer négativement, et là, qui est arrivé, nous enfoncer. Nous enfoncer dans cette situation difficile-là, cette situation-là, elle engloutit nous, et nous pas sortir là-dedans. D'accord? Alors, le Père de Dieu, je crois que c'est un message qui est important, qui est adressé à tout le monde, qui je crois, est important. Nous devons veiller dans nos langages, nous devons veiller dans nos confessions. Nous devons connaître qui nous causer, nous devons connaître qui nous dire. Pas nécessaire de causer. Nous devons connaître qui nous causer. D'accord? Parce que la Bible dit un autre réglement, nous vous dit tout à l'heure, c'est ce qui s'est même dit ça, il dit, c'est à l'intérieur qu'il sortit une mauvaise pensée. Tout le mal qui existait dans la société, il sortit à l'intérieur de l'homme. Qui fait le sortir à l'intérieur de l'homme? Il est clair et net, pas compliqué ça. C'est parce qu'à travers la désobéissance d'Adam et Ève, l'homme hérite la nature du péché. Quand la nature du péché est telle, il trouve dans l'homme. Right? Il trouve dans l'homme. Il y a une nature en nous qui, depuis nous naît, dit en nous, à travers Adam et Ève. C'est sa nature-là qui fait nous révolter. C'est sa nature-là qui permet de nous vivre dans sa façon-là. C'est sa nature-là qui permet de nous cause dans sa façon-là. D'accord? Alors, ce qui veut dire qu'il nous a besoin de faire, nous bien faire comme dans Ésaïe 50, verset 4, dit à nous, bon Dieu finit de nous en la langue exercée, veut dire, nous bien faire un exercice avec nous la langue. C'est tout qui quand on finit connaître Jésus-Christ, c'est tout qui quand on finit accepter Jésus-Christ comme un sauveur personnel, c'est tout qui quand on finit croire dans Jésus-Christ, on finit hérite une nouvelle nature qu'on appelle la nature de Dieu en haut. On appelle ça l'homme nouveau qui est en haut. Et c'est ça l'homme nouveau-là qui est capable de permettre au-dedans de haut, causer maintenant, cause ce qui est bon de dire, déclare ce qui est la parole de dire, l'aubaine circonstance, l'aubaine situation pour la gloire du Seigneur. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous besoin de faire quand nous tournons en face d'une situation qui est difficile et compliquée? Cause avec cette situation-là, guette-les en face avec les yeux fixés et cause avec les d'aller au nom de Jésus-Christ de Nazareth, te peinant qu'un pouvoir pour cela. Cause avec sa maladie qui peut ronger la vie, qui peut fatiguer, qui au lieu de peut améliorer, tout lui peut détériorer, peut empirer. Cause avec lui. Cause avec lui, Djali, tu as besoin qu'il te molèque où tu allais. Ce qu'il y a une madame qui fait une fois. Une madame qui fait dans Marc 5, il dit à nous, tu as une madame qui est une perte de sang. Marc 5, d'accord, le verset 25. Pendant 12 ans, il finit souffert, il se cas finit empiré, il n'est pas fini à améliorer. Sur la santé, pas fini à améliorer. Tout ce lance-en finit dépenser. À gauche et à droite pour gagner sa guérison. Ce cas finit empiré, la Bible dit à nous. Si vous lisez dans Marc, chapitre 5, verset 25, à la maison, il finit entendre parler de Jésus. Right? Et il finit dire en lui-même, quand il finit entendre Paul de Jésus, il finit dire en lui-même, si seulement je n'ai pas tous beaux vêtements de Jésus-Christ, je vais tout me guérir. Tu vois, madame, elle finit décider. Il y a une cause en lui-même. Qui nous peut causer, qui nous peut dire devant nos bonnes situations? Qui langage nous peut servir quand nous avons un moment difficile? Quand maladie peut faire surface? Comment nous comportons-nous? Comment nous réagir? Est-ce qu'il nous prête flanc? Est-ce qu'il nous donne l'occasion, sa situation-là continue de dominer nous? Vous connaissez comment nous sommes capables de permettre une situation difficile continue de dominer nous? C'est simple. Laisse-nous influencer par négativité. Nous laissons cette situation-là contrôler nos émotions, contrôler nos volontés. Contrôle-nous la vie. D'accord? Là, nous commençons à cause ce qui vient dans nous la bouche. Nous utilisons le langage de la peur. Écoute, nous langage, nous finissons qui, ça dit, mon âme, il peut cause un langage de la peur, de la crainte. Il finit bouleversé, un langage de bouleversement, de trouble, d'agitation.
Il peine à la paix dans ce lequel. Parce qu'on a la paix ou pour cause un langage de paix dans la vie. Par exemple, ça, madame là, il dit, ah, si seulement moi tous beaux vêtements et skis me pour guérir, effectivement, c'est ça même qui finit arriver. Parce que dans ce pensée, il peut trouver maladie là devant lui. Et il peut cause avec maladie là, il dit, maladie là te connaît comme tous sa beaux vêtements et skis là, tu as besoin de quitter moi, toi. Tu n'as pas pour gain droit, pouvoir, pour continuer dans mon écho. Quand c'est quand il peut cause en lui-même, il peut cause en lui-même, qui s'en a, il peut causer. Il peut cause avec sa souffrance qui peut endurer pendant 12 ans. Il peut cause avec sa perte de sang qu'il peut subir pendant des années. Il cause avec sa perte de sang. Il dit, aujourd'hui, c'est au dernier jour. Tu n'es pas capable de continuer dans mon écho. L'ange qui finit, oui, mais c'est l'ange qui est encore resté dans mon vie. C'est un ange là pour multiplier à ce fini. Maladie, tu as besoin de disparaître depuis dans mon écho. Parce que j'ai décidé que le moment qui me touche beaux vêtements de Jésus-Christ, je vais besoin guérir. D'une cause, qu'est-ce que ce langage, mon frère, mon sœur? Qu'est-ce que ce langage-là? D'accord? Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Mais tiens, nous ne pouvons pas priver nos âmes des bains troubles, des bains agitations, de la peur. Si simplement nous veillons nous la bouche. C'est nous la bouche qui permet nous l'âme souffrir. C'est nous la bouche qui permet nous l'être intérieur subir. Ne bisez pas ma décision qui bisez. Mon frère, mon sœur, si toutefois, ou dans une situation compliquée, difficile, arrête cause beaucoup de sa situation-là. Arrête justifier sa situation-là. Arrête élargir sa circonstance-là. Arrête fortifier-lui. Arrête fortifier sa situation-là. Confesse ce que bon Dieu est capable de faire. Déclare ce que Jésus-Christ est capable de faire pour. Déclare sur promesse, déclare sur l'amour pour vous, déclare sur résurrection pour vous. Déclarez qu'il s'abondit, que vous pouvez prier là, lui-même qui crée la terre et le ciel, qui est tout possible pour s'abondir là. Tu manges mon fin de cause avec le sassisé là. Je veux dire, comment nous la foi, il est bien basé, il est bien fondé, la puissance de la parole, la puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit, mon frère Moser, déclaré. Ce problème qui est dans la vie, là, Dieu, tu peux finir là, tu peux besoin disparaître. Tu la fin peut approcher, tu peux besoin disparaître. Tu n'es pas capable de continuer à exister dans la vie. Toi, malédiction, tu peux besoin aller. Toi, condamnation, tu peux besoin aller. Maladie, me ordonne-toi aller. Toi, vice ou bien passion ou bien la drogue, n'importe quoi qui domine ou la vie. Tu n'es pas pour capable continuer de dominer la vie. Bon, prends l'autorité, l'auteur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que mon déterminé, mon décidé pour mettre toi dehors. Faire pareil comme ça, madame, qui t'a perdu des sang pendant 2 ans là. Déclarer aussi, confesser aussi, dire aussi. Bon, pas tout, aucune raison qui fait ou pas vous sortir plus que vainqueur. Dans sa bonne situation-là. Et vous sortez plus que vainqueur dans sa bonne situation-là. Il dit, nous, celui qui veille sur sa bouche, garde son âme. Celui qui ouvre des grandes lèvres, court à sa perte. D'accord? Qui libère Dieu pour ça? Libère Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas contrôle sur la langue. C'est un du monde qui n'a pas contrôle sur la langue. Qui peut arriver? La destruction pour atteindre lui. Il peut détruire, il peut périr. La langue pharisienne, si vous pas contrôlé, elle peut amener nous à la destruction. Tout à l'heure, nous montrons dans Zach, comment Zach explique nous très clairement les pouvoirs de la langue dans la vie du monde. Comment la langue, elle fait au rang de mon trouble, de mon agitation, de mon bouleversement. Si seulement nous sommes capables de veiller nous la langue, si seulement nous sommes capables de fermer nous la bouche, pour nous dire. Ferme la bouche là un peu. Évite même quelque chose qui est inutile, qui pour troubler nous. Pas dire ça. Confesse ce qui. Si vous avez ouvert la bouche, confesse ce qui est bon de dire.
ça qui va permettre de rendre ma dimension et ça qui va permettre de faire l'expérience avec bon Dieu. Le peuple de Dieu, nous finissons commencer l'olam au corps, vous pouvez comprendre quand nous pouvons aller. Proverbe 21, verset 23, dit à nous, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue, celui qui veille sur la bouche et sur la langue, il préserve son âme des angoisses. Qui veut dire ben angoisse? Des ben troubles, des ben hésitations. Qui fait un homme parfois tous les hésités, les troublés? C'est parce qu'il les cause, qu'il n'a pas besoin de causer. Vous connaissez, vous comprenez qu'il m'a dit à vous. À chaque fois qu'il y a une situation, on ne peut pas donner un bouleversement. Vous continuez que cette situation-là vous trouvez pour plus bouleverser encore. Encore ça, vous connaissez ce qu'il s'y fait. Pourquoi ça aussi, vous pouvez dire où? Dans Marc chapitre 5, même toujours, les genoux là dans la case de quelqu'un qui appelle Zarius. Zarius, c'est Tifitimo. Et Jésus-Christ rentre là-bas pour délivrer cette fille-là de la mort. Nous connaissons qu'il peut aller pour le guérir avant. Mais il peut aller en cours de route, si filin fin fini mort, mais il peut aller pour le délivrer, sa fille-là de la mort. Mais le temps qu'il rentre là-bas, qu'on sait ce qu'il se fait, il prend tout ben du monde qui peut pleurer dans la salle-là, dans la casa, il dit ce ben du monde à Aldeo. Qui veut dire ça? Pour faire ben du monde qui est là dans la salle, peut pleurer, qui sa fille-là fin mort, il dit Aldeo. Qui fait? Parce que qui fait beaucoup de fois, man du monde, je ne pas recevoir de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas créé une atmosphère qui vous permet de recevoir de la part de Dieu. Vous avez créé un environnement, vous avez créé une atmosphère, right, qui vous permet de recevoir de la part de Dieu. Qui veut dire ça? Quand vous avez un problème, vous avez connu avec qui ça n'a qu'on raconte au problème. Parce que nous sommes trop contents de causer. Nous sommes trop contents de fortifier nos problèmes. Nous sommes trop contents de raconter du monde pour que du monde sympathise avec nous. Alors, plus nous gagnons beaucoup du monde sympathise avec nous, nous réconforter. Oui, ou réconforter que du monde peut sympathiser avec vous, qui peut participer dans vos problèmes, mais vous ne pouvez pas délivrer de ce problème-là quand vous faites comme ça. Quand vous racontez tout du monde nos problèmes, ou à la gauche, ou à la droite, vous racontez tout du monde nos problèmes, ce problème-là n'est pas pour régler. Ce n'est pas comme ça que le problème est réglé. Le contraire, vous pouvez faire ça publier dans l'endroit, vous pouvez faire ça publier dans le pays que vous restez, parce que vous connaissez quand vous racontez. Mais les fanés, ça vous connaît. Il parle de bouche à l'oreille. C'est comme ça, ça. Mais qui s'en a que vous a raconté ou raconté à Dieu? Ouvrez la bouche. Veille-toi la bouche. Si tu en as pour raconter, raconte bon Dieu. Et bon Dieu, vous connaissez quand vous racontez une situation, vous pouvez raconter 20 fois pour les comprendre. Un seul coup, raconte-le, il finit de comprendre. Même pas raconte-le ici, il connaît que vous pouvez gagner. Il finit de comprendre la situation. Lui. Pas besoin de voir le discours, pas le dialogue. Du monde, nous pouvons raconter, gosse, me raconte A, demain, moi, B, me raconte les, moi, C, me raconte les. Moi, jusqu'à Z, mon corps peut raconter, moi, recommence par A encore. A, vin B, B, vin C, C, il y a des comme ça. Mais, le problème peut grossir, là. Là. On ne peut plus bouleverser. On ne peut plus tracasser. Et dit nous aussi, et quelqu'un qui n'a pas contrôle sur la langue, qui n'a pas contrôle sur la langue, la destruction peut atteindre lui. La perdition peut atteindre lui. D'accord? À cause c'est même qu'il est bien veillé sur la bouche, sur la langue, pour qu'il est capable de préserver sur l'âme, il dit bien, de ben trouble. Choisir ben du monde digne de confiance. Choisir ben du monde qui, quand on raconte lui au problème, ou si elle est pour prendre son problème-là, elle peut raconter ça à bon Dieu. Pour dire à bon Dieu, agir dans la vie. Pas raconter ben du monde, au lieu de raconter bon Dieu au problème pour prier pour vous, il y a raconté le du monde. Tu vois?
Là, au lieu d'un jumon, tu connais, il y a deux jumon, tu connais. Qui veut dire deux, tout le temps multiplié par deux. Doublé, hein. Deux multipliés par deux, fait quatre, quatre multipliés par quatre, fait cinq, cinq multipliés par cinq, tout le temps, il allait comme ça. Là, là, il fanait partout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Raconte. La Bible dit nous, toutes les semaines, nous peut dire où ça va réussir. Dans Romains, chapitre 8, il dit nous, Jésus-Christ, right? Nous l'épée assise à la droite de Dieu, chapitre 8. Verset 34, est-ce que tu finis ressuscité, il y a la droite de Dieu, qu'il peut faire? L'IP intercède pour nous. L'IP intercède pour nous. Qui veut dire intercède pour nous? L'IP cause dans nos faveurs. Tu veux dire, est-ce que c'est causé, lui? Mais qui est causé? Tu connais qui nous a causé? Il cause en nos faveurs. L'IP intercède pour nous. Right? Au cause de ce qu'il peut assister, il peut passer le temps pour cause nos problèmes. Il peut passer le temps pour cause une situation, non. Il ne peut pas se le temps causer comment vous êtes capable de tirer nous dans ce problème-là. Comment tu es capable de tirer nous dans cette situation-là. C'est ça qui est important, mon frère Moussa en Christ. D'accord? Jésus-Christ, à la droite de Dieu, l'épée intercède pour nous. Merci Seigneur. Le psaume 39, le verset 2, il dit, je disais, le psalmiste dit, moi tu peux causer, moi peux dire. Right? Vous pensez que tu peux causer à lui-même. Il dit, moi tu peux dire. Vous pouvez le mot la voix, vous pouvez le mot façon faire, le mot action. Vous pouvez le mot comportement. Tension. Mal péché par mot la langue. Vous pouvez mettre un frein, vous pouvez causer. Il dit, moi causer, moi dire, moi besoin de mettre un frein dans mon la bouche. Ça, c'est une parole de décision. C'est une résolution que le psalmiste peut prendre. Il dit, je ne peux pas aller pécher par mot la langue. Capable de depuis, je peux causer avec vous, à travers l'introduction, quand on est arrivé, vous pouvez gagner l'idée qui veut dire cause négativement. Cause négativement, c'est ça qu'on appelle péché par nous la langue. Dieu m'a causé qui n'est pas bizarre. D'accord? Cause m'a causé qui n'est pas selon la parole de Dieu. Pas comme bon Dieu dit nous causer. On est bon Dieu fin de Noël la bouche pour causer. Pas dire nous cause n'importe quoi. Cause n'importe quoi. Dieu n'importe quoi. Pas ça qu'il nous dit nous. Nous besoin de cause ce qui se parole dire, comment se parole dit nous qui nous besoin causer. Hein? Ça qui bon Dieu nous donne la bouche. Il n'est pas nous donne la bouche pour assiser, pour cause semblable. Pas ça qui nous la bouche pour assiser pour cause semblable. Parce que le temps est cause à gauche, cause à droite, le semblable. Ce n'est pas ça que mon Dieu n'a pas le temps pour faire. Bon Dieu n'a pas le temps pour confesser ses paroles, confesser ses promesses, confesser ses puissances, confesser sur la gloire. Et avec la bouche, tu es capable de glorifier bon Dieu. Avec la bouche, tu es capable de louer bon Dieu. Tu es capable de holy. C'est ça que mon Dieu nous dans la bouche. Pour confesser ses paroles avec les autres, pour témoigner son nom, comme on finit dire dimanche. Dieu finit appelle nous pour témoigner son nom, pour dire avec les autres qui bon Dieu est capable de faire dans notre vie, c'est ça. Ou trouver quelqu'un dans une situation difficile, ou causer la parole de Dieu, ou dire qui bon Dieu dit. Comment bon Dieu le tient là-dedans. Ou pas rester tranquille, ou trouver dans une situation, rester tranquille, ou faire comme Dieu, pas qu'on n'ait qu'une solution avec vous. Vous êtes dit, Jésus-Christ est capable de tirer toi là-dedans. Ou toi, quelqu'un peut tout monter, fait déconner qu'il est ce qui est capable de tirer là-dedans. Ou la bouche. Est-ce que vous la même? Et d'ailleurs, la Bible dit nous, priez pour nous, quelqu'un qui persécute nous. C'est ce qui se fait mieux ça. Priez pour quelqu'un qui persécute nous. Priez pour quelqu'un qui cause mal de nous. Priez pour quelqu'un qui insulte nous, qui maltraite nous. Dis-nous ça. Qui veut dire pour ça? Il veut dire qu'il ne faudrait pas insulter quelqu'un qui insulte nous. Il ne faudrait pas nous causer mal de quelqu'un qui cause mal de nous. Il dit, nous devons prier pour vous autres. C'est ça qu'il veut dire. D'accord? Nous devons prier pour quelqu'un qui cause mal de nous. Nous devons prier pour quelqu'un qui cause négativement de nous, qui critique nous. D'accord? C'est ça qu'il veut dire. Alors, l'important qui nous cause comme un bon Dieu causé. Right? Nous déclarons les choses comme bon Dieu
bon Dieu l'y déclarer. Nous dire les choses comment bon Dieu l'y dire. À cause même qu'il est tellement important, mon frère, mon sœur en Christ, le message qu'il nous apporte avec vous jusqu'à maintenant. Je compte un verset qui dit dans Proverbes, chapitre 18, verset 21, il dit nous, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Qu'il est dire comme ça? Qu'il est la mort, qu'il est la vie, il est au pouvoir de la langue. Si nos vies mangent les fruits de la mort, ils dépendent de nous la langue. Si nos vies mangent les fruits de la vie, ils dépendent de nous la langue. En fait, ce qu'il peut dire, c'est que nos paroles qui nous prononcent, ils déterminent qui fruits qui nous pouvons manger. Si nous causons une parole qui produit la mort, ils vont produire la mort dans nous la vie. Si nous causons négativité, nous pouvons récolter négativité. D'accord? Si nous proclamons une parole de la vie, ben nous voulons la vie en nous. Si nous confessons la foi pour aimer en nous. Si nous confessons guérison, guérison pour manifester. Si nous confessons la liberté en Jésus-Christ, nous pour libérer. Mais si nous disons non, moi pas qu'on est qui peut arriver, moi, mon corps, ça malade pas pour capable de sortir là-dedans. Ah, ça, mon corps, il finit fini condamner ça. Mon corps, il finit pour lui, ça pas capable de sortir là-dedans. Mais ça, nous pour gagner. C'est qu'il nous dit, ça aime nous pour gagner. Si nous disons, mon corps, moi pas pour réussir dans la vie. Aïe, mon corps, moi la tête trop faible. Aïe, moi pas pour réussir dans l'examen là. Moi pas trop cher, moi pour passer. Mais ça aime pas que toi. Mais si tu dis, moi pour réussir au nom de Jésus-Christ. Moi pour réussir dans mon examen. Ce travail-là, moi pour réussir faire lui. Moi pour réussir atteindre le sommet dans mon travail. Te confesser par la foi, te déclarer qu'avec l'aide de Dieu, tu pourras réussir. Tu pourras réussir à avancer. Tu pourrais rester jusqu'à là-bas, mais tu peux aller. Au lieu qui te cause négativement. Alors, ce verset-là nous déjà connaît, nous déjà cause longuement, Lola. Nous, pas pour aller en détail maintenant, mais Proverbes, chapitre 12, verset 14, dit nous, c'est pas le fruit de la bouche qu'on est rassasié de bien. Un jour, on est rassasié de bien, c'est par le fruit de sa bouche, qui nous déclarait toujours. D'accord? Qui nous confessait, qui nous dit. Right? Il suffit qu'il nous écoute le langage d'une personne, nous pouvons finir connaître qui peut attendre devant. Nous écoutons son langage. Nous finissons connaître qui peut attendre devant. Surtout un quelqu'un peut causer. Je vais donner un exemple. Hein? La Bible dit nous faire très clairement dans Matthieu. Il dit nous, un quelqu'un qui vient avec Jésus-Christ, et Jésus-Christ te connaît, mon serviteur, il la case. Les malades gravement, hein? Les lits. Right? Vous servitez à la maison, les gravement malades. Il dit ça avec Jésus-Christ. D'accord? Mais seulement il dit avec Jésus-Christ, tu connais? Et Jésus-Christ dit, ok, vous pouvez venir pour venir prier pour lui. Il dit Jésus-Christ, tu connais pas besoin de venir à case. Pas besoin de venir contre moi. Right? Mais Dieu seulement. Un mot, mon serviteur, vous guérir. Vous regardez ça dans Matthieu, chapitre 8. D'accord? Merci Seigneur, à partir du verset 5. Right? Il dit, mais c'est ce qu'il te connaît. Pas besoin de venir à case. Dieu seulement une parole, mon serviteur, vous guérir. Tu vois? Qu'est-ce que ça cause que ça, M. Lapédia? Il dit, c'est ce qu'il pas besoin de venir. Pas besoin de te déranger. Là, quand tu étais même là, ne dire une parole, mon serviteur pour guérir. Ce qui Michelin peut dire, permet sa parole-là de venir en réalité. Dire une parole, mon serviteur guérir. C'est ce qui dit une parole, mon serviteur pour guérir. Ce qui lui peut déclarer, là, ça m'arrive. C'est ce qui dit, allez, d'après toi la foi, et ce serviteur guérit dans ce moment-là même. Qui fait passer l'incroyable. Ce parole, vous voyez, ce parole, il le lance au langage de cette déclaration. D'accord? Et quelqu'un, il me prend l'imposition des mains, comment pose-moi la main? Je vais bien recevoir mon miracle.
Mais pour gagner un miracle de sa façon là même. D'accord? Parce que c'est fini. Déclare quelque chose, ou bien déclarer, ou bien dire, ou bien que vous dire. Que vous déclaration. Que vous confessez. Peuple de Dieu, nous besoin arriver, confesse tout simplement ce qui est bon de dire. Et ce mot qu'on a avec beaucoup de mains, comment souvent des fois nous dire ce qui trouve dans nos pensées. Ben, nos pensées viennent une parole. Proverbe chapitre 30, verset 32, dit nous, mette la main dans la bouche si tu n'as pas de mauvaise pensée. Il dit, quand tu n'as pas de mauvaise pensée, tu le quais, mette la main dans la bouche. Viens, reste tranquille. Bouche de la bouche. Qui fait? Parce que c'est pas sa mauvaise pensée là pour sortir par la bouche. Si un démon n'a pas de mauvaise pensée dans son liquide, la Bible dit mettre sur la main sur la bouche parce que sa parole là, sa pensée là pour sortir. D'accord? Alors, le peuple de Dieu nous besoin veiller le nous penser aussi. Qui nous pensait? Qui pensait qui nous entretenir? Vous connaissez tout crime que vous ne pouvez pas trouver un monde capable de faire, la majorité. Hein? C'est une préméditation, on nous dit. Beaucoup, pour ne pas dire la majorité, mais dire beaucoup. Hein? Un grand nombre, c'est préméditation. Préméditation veut dire que vous avez pensé avant de faire ça. Vous pensez. Il me pense ça, je peux faire ça, et il finit vers lui. Nous prenons d'un côté la parole. Quand on met la pensée de Dieu dans vos pensées, on médite la parole de Dieu, mais on médite, veut dire, voilà en profondeur la pensée là. Vous méditez, à un moment donné, on commence à confesser. Et on commence à agir là, autour du résultat. Tout à l'heure, tu dis, dans Josué, chapitre 1er, verset 8, dit, vous trouvez le succès, nous vous trouvez la réussite. Le psaume 17, verset 3, il dit, ma pensée n'est pas autre ce qui sort de ma bouche. Le psalmiste dit comme ça, qui est tellement causé, c'est un homme qui n'a pas de pensée. Ce qui veut dire que, quand on écoute un démon causer, si vous trouvez un démon de cause n'importe quoi, vous venez connaître qui dans sa pensée n'importe quoi. Oui. Il y a un peu pareil quand autour du monde il passe le temps cause football, ou si il y a un qui dans son pensée tout le temps à football, il pense beaucoup football. Oui. La cause même qu'il cause football. Parce qu'il est ça dans son pensée. Il dormit football, il est bête football. Un exemple de nous là. D'accord? Ma pensée n'est pas autre ce qui sort de ma bouche. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 15, verset 18, ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui suit l'homme, ce qui rend l'homme impur, qui salit l'homme, qui rend lui impur. C'est pas ce qui rentre dans ce écho, mais ce qui sortit dans ce écho. Parce qu'il y a une fois, on est dans qui s'est content de ce qui disait ça. De ce qui disait ça parce que. Le pharisien manuscrit qui est content. Lave la main avant de manger. Je dis, avec ce qui te connaît, nous lave la main, nous finissons à prendre ça tout le temps. Nous faisons lave la main avant de manger. Hein? Tout le monde dit, si pas lave la main, on peut mettre dans la bouche pour manger. Et là, ce qui dit, je peux mettre l'emphase, l'eau. Si je mange avec un la main qui n'est pas lavé, je veux dire, ça lit à l'intérieur. Et ce qui dit, ce qui sale là, sortit à l'intérieur, il sortit des hauts. Parce qu'il est rentré, qui salit l'homme, c'est qui sortit de l'homme. Qu'il veut dire? Mais tu sais où tout à l'heure là, qui depuis Adam et Ève, la race humaine fin hérite une nature qui appelle le péché qui habite au-dedans des autres. Tout le monde est dans ça. Tout le monde qui m'a né sur la terre est une nature qui appelle la nature du péché qui existait en lui. Du monde cause menti, pas parce qu'il n'y a pas une cause menti, du monde cause menti parce que la mensongerie existait au-dedans de lui. Du monde convoité, pas parce qu'il finit à prendre comment bien convoité, parce que la convoitise existait au-dedans de lui. Du monde volé, pas parce qu'il est finalement comment voler, c'est parce qu'il voler, ça se trouve au-dedans de lui. Du monde commettre adultère, pas parce qu'il est finalement comment commettre adultère, c'est parce que l'adultère existait au-dedans de lui. Du monde cause mentir, pas parce qu'il est finalement comment bien cause mentir, parce que la mensongerie
exister au-dedans de l'homme. Qui fait? Parce que c'est la vieille nature. D'accord? Alors, les esprits mettent l'emphase. Right? C'est la vieille nature qui fait ce comporte négativité, comporte au travers, en travers, mais laisse la parole de Dieu prendre place. Ça même qu'appelle nous nés de Dieu, nous nés par la parole de Dieu. Nous hérite la nature de Dieu, et la nature de Dieu en moi pousse moi pour comportement que ma bonté demandait. Il pousse moi pour cause que ma bonté causait. Il pousse moi pour trouver les choses que ma bonté trouvait. Vous connaissez? Nous, quand nous quittons les choses dans le monde naturel, nous trouvons de la même façon. Mais quand bon Dieu quitte les choses, il n'est pas quitté de la même façon. La façon qu'il nous écoutait avec la façon qu'il bon Dieu écoutait n'est pas pareille. La façon qu'il bon Dieu regarde une personne avec la façon qu'il nous regarde une personne n'est pas pareille. Bon Dieu, il dépasse sa côté physique qui nous trouvait devant nous là, à l'intérieur. Il dit, nous, l'homme les regarde à l'apparence, veut dire à l'extérieur, à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Veut dire Dieu l'est intéressé avec sa partie qui, sa nature mal là, qui l'est intéressé. De quelle façon? Pour délivrer ça du monde là. Quand Dieu regarde au cœur, c'est sa partie dans l'homme qui pousse pour désobéir, qui pousse pour mal agir. Bon, Dieu l'est intéressé avec sa partie là, mais parce qu'il est bien sans ça du monde là, à l'intérieur. Alors, quand ça, ils vont les dire quelque part, dans le proverbe, quand il dit ça, mon fils, donne-moi ton cœur, il dit. Ton cœur, veut dire, il est intéressé avec sa partie qui est bien sensée là. D'accord? Alors, c'est. Nous devons arriver à comprendre ça. Hein? Quand on dit, guette-nous, pharisiens, pas guette-nous, comme l'homme guette-nous. Dieu dit, guette-nous avec un autre regard. Right? Et quand il guette-nous aussi, nous, quand nous guettons un problème, nous disons ce problème-là. Mais bon Dieu, quand il guette problème là, il trouve derrière ce problème-là, qui s'en a qui derrière là. D'accord? Il trouve la cause de sa problème, la racine de sa problème. À cause même qui tout le temps nous dit, bon, c'est la solution. Qui veut dire la solution? Parce qu'il n'est pas pour de nous un traitement. Et comment dire, nous essayons un traitement. Nous pouvons essayer un traitement. Et d'ailleurs, en anglais, on appelle ça trial and errors. Hein? Vous essayez, qu'il faut ou capable, mais vous pouvez faire erreur aussi. Mais Dieu, quand il fait nous faire un traitement, c'est un traitement direct là-dedans. Qui fait? Parce que bon Dieu, quand il bégaye une situation, il peut trouver la cause de sa situation-là, il vous donne un remède en rapport avec sa situation-là. C'est ce qu'il cause nous, parole de sagesse, parole de connaissance. Une parole de sagesse, c'est la parole qui peut guérir sa maladie-là. Parole de sagesse, c'est un peu un don spirituel. Vous êtes capable de donner du moins une solution, pas une solution, mais la solution à son problème-là. Vous donnez une solution qui peut faire sortir d'un problème-là. Ou pas donner une solution, mais donner la solution. Hein, ça, c'est parole de sagesse. Parole de connaissance, veut dire, ou révèle exactement la racine de sa mal. Là. Exactement. On ne peut pas dire à peu près, ça, mon quoi, il est comme ça, ça, mon pensée, ça, il n'est pas comme ça. Dieu dit, il est certain. D'accord? Et nous voyons ça quand nous lisons dans les évangiles, nous vous trouvez écrit dans son ministère, comment tu en as beaucoup, et beaucoup ça, ben manifestation là dans son ministère, quand il peut prier, quand il peut déclarer qu'il sort de la vienne du monde, il peut cause par révélation, il peut cause par l'inspiration, comment nous dire. Tout à l'heure, moi, je disais où ça, moi, je disais verset là, c'est dans Matthieu chapitre 12, verset 34. C'est ce qu'il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est qu'il dit, mon là, il y en a sur lesquels, c'est même qu'il est pour dire. C'est du monde sur lesquels il y a football, comme moi, je disais tout à l'heure là, il est content football, c'est sa passion. Hein? Il n'est pas capable sans passe football, il risque cause football. C'est ça sa priorité. D'accord? Et c'est un du monde dans lequel il y a Dieu, il est content bon Dieu, il est content sa parole, il est content sa promesse, il y a un amour fort pour mon Dieu, right? Il préfère les sauts de Dieu. Qui vous sortit dans son bouche? Seulement les sauts de Dieu. D'accord? Donc, c'est simple qu'il nous a fait un exercice, moi, Isaïe 54, 50, dit à nous, nous avons une langue exercée, nous exerce nous la langue, nous faisons pas une pratique, pas une discipline. Une langue exercée, une langue formée pour déclarer ce qu'ils vont déclarer, pour dire ce qui est
bon les dire. Et ça n'a comme besoin d'y aller dans la Bible même, même si mon fils n'est pas ici, mon envie d'y aller dans la Bible, pas qu'on est qui fait maintenant, on gagne envie là, hein, pour y aller là. C'est Matthieu, chapitre 12, verset 36, il dit, je vous le dis, qu'est-ce qu'il dit ça? C'est ce qu'il dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Parole vaine veut dire même parole qui est vide, qui est inutile. La Bible dit à nous, c'est ce qu'il dit au jour du jugement, quand nous tous nous voulons bien comparaître devant Dieu. Dieu vous juge nous pour tout même parole vaine, qui est inutile, qui est vide, qui paraît produire non rien. Même parole dans l'air, voilà. Même parole dans l'air. Par exemple, vous pas capable de gobeler, même parole qui n'est pas peine à poids. D'accord? Il n'est pas produit un résultat. Même parole inutile. Combien de paroles qu'il nous prononçait pendant une journée? Laisse-nous calculer dans une journée combien de paroles qu'il nous prononçait qui est utile, qui n'est pas vaine, mais combien de paroles qu'il nous prononçait qui est vaine. Hein? Et il dit, bon Dieu pour Jésus, la même parole vaine. À cause même qu'il nous vient faire attention. D'accord? Et on connaît parole vaine, il n'est pas seulement même parole qui nous dit comme ça là dans l'air. Hein. Mais chaque fois qu'il nous cause contre bon Dieu, c'est une parole vaine. À chaque fois qu'il nous fait une confession, nous fait une déclaration de, vis-à-vis de Dieu qui passe selon la parole de Dieu, selon Dieu, il y a une parole vaine qui nous peut prononcer. Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas oulé qui nous dit qu'il y a quelqu'un qui passe à quelqu'un là. Est-ce que vous pouvez comprendre? Ça, c'est une parole vaine. Quand nous disons quelque chose, faussement le bon Dieu. Nous mettons du monde dans l'erreur, dans la fausseté. Nous disons du monde qui bon Dieu était dans l'exactitude. Pour qu'il du monde, les yeux ouverts. C'est la vérité qui permet les yeux ouverts. La vérité, c'est la lumière. C'est la vérité qui éclaire du monde. La mensongerie, jamais tu éclaires du monde. La mensongerie fait du monde reste dans confusion. Quand du monde cause ou menti, vous trouvez que vous êtes dans confusion. Vous n'êtes plus connu que vous faites. D'ailleurs, la parole de Dieu aussi pareil. Quand la parole de Dieu prêchait dans toute sa vérité éternelle, ou pour convaincu, ou léger pour vert. Mais quand la parole de Dieu est prêchée, elle est enseignée faussement. Par exemple, la Bible dit dans Actes, le chapitre 3, le verset 1er, qui pour nous a beaucoup de gens qui vont enseigner dans les derniers temps, il dit pour nous un jugement sévère, pour ben du monde qui a pour l'enseignement qui est contraire, qui est fausse, qui passe selon la sainte doctrine, veut dire ben du monde rend la confusion. Quand est-ce qu'un du monde rend une fausse, dans confusion, c'est-à-dire, quand je rends une confusion, c'est quand je gagne une vérité qui fait. Il n'est pas vraiment la vraie vérité, il n'est pas la véritable vérité. Il y a une fake, il est fausse, il n'est pas vrai. D'accord? Alors Cécile dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Toute parole vaine qu'ils nous proférée. Il y a un zouron, il y a une parole, il y a une insulte, il y a une calomnie, il y a une injure, il y a l'esprit critique, moi critique mon camarade. Passe-moi le temps critiquer. Pourquoi autant dire quand même que je critique le camarade tous les jours, ça, non? Ça n'a critique l'autre, l'autre la critique, ça n'a là, ça n'a critique, ça n'a là. D'accord? Il n'est pas bon. Tu veux dire, pas d'accord, ce que tu es là. Comme si vous dites critique au camarade pour gagner popularité, pour gagner l'avantage. Il n'est pas bon devant mon Dieu. Mon Dieu pas d'accord. D'accord? C'est même parole vaine, ça. Le contraire, quand on trouve quelqu'un peut mal faire, prier pour lui. C'est ce qu'il dit, ça. Prier pour quelqu'un qui cause mal de nous, qui critique nous, qui insulte nous, qui outrage nous. Prier pour eux, faire du bien pour ça, qui veut dire que quand on trouve quelqu'un peut mal faire, besoin de prier pour lui. D'accord? Et puis il dit, quand par tes paroles tu seras justifié. Qui veut dire justifié? Tu peux être accepté de Dieu par tes paroles. La façon qu'il t'approche de Dieu par tes paroles, tu peux être justifié, tu peux être accepté de Dieu. Qui veut dire pour qu'il nous capable d'être accepté de Dieu,
pour qu'il nous capable d'être justifié, il dépend de nos paroles. Il dépend de nos paroles, qui nous peut dire. Comment nous peut croire? Comment nous peut accepter l'évangile? Qui parole qui nous peut déclarer ça à un moment-là? D'accord? Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné, dit Saint. Il dit, nous, celui qui croira pour sauver, celui qui ne croira pas, sera condamné, dit clair. Saint-Dieu, il croit, il vous confesser, il vous déclarer qu'il y croit. Saint-Dieu, il ne pas croire, il vous dit, il ne pas croire. Sa parole-là pour condamner. Par tes paroles, tu peux être justifié. Quand Dieu me croit, tu es justifié. Quand Dieu ne pas croire, tu es condamné. Tu crois dans l'évangile, tu es sauvé. Tu ne pas croire dans l'évangile, tu n'es pas sauvé. Tu crois dans Jésus-Christ, tu es un enfant de Dieu. Tu ne pas croire dans Jésus-Christ, tu n'es pas un enfant de Dieu. Par tes paroles, tu peux être justifié. Par tes paroles, tu peux être condamné. C'est clair, ça, c'est simple. C'est compliqué. Il n'est pas compliqué du tout. Il y a dans Romains qui dit à nous, pharisiens, ça peut être 10. Ça, j'ai besoin de lire avec vous. Ça aussi, j'ai besoin de lire. D'accord, il est important. Il y a qui dit à nous. Que dit-elle donc, verset 8? Ça peut être 10, verset 8. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Quand la parole de Dieu est dans ton cœur, elle peut venir dans ta bouche. Et quand elle est dans ta bouche, tu as besoin de confesser qu'elle est dans ton cœur. C'est vrai? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Qui parole qui nous peut confesser, nous peut dire, il est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Qui parole ça? Pas n'importe qui parole. Non, parole de la foi. La foi dans qui? La foi dans la parole de Dieu. La foi dans le bon Dieu véritable. La foi dans son Fils Jésus-Christ. La foi dans son amour. La foi dans sa résurrection. La foi dans son dissent. La foi dans le salut de Dieu. La foi dans la vie éternelle. C'est ça, mon besoin croit là-dedans. Alors, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi que nous confessons, que nous croyons, que nous prêchons. Qui parole nous déclarer tous les jours, mon frère, mon soeur, en Christ? Ou capable d'une situation difficile, mon frère, mon soeur. Vraiment difficile. Nous pas pour comme si quand une situation est difficile, nous ne pas difficile. Ce n'est pas ça la foi. Dieu amène Dieu si une situation difficile. Non, Dieu n'est pas difficile ça. Pas ça. C'est pas la foi ça. Comme un Israélien qui devant la mer rouge, c'était la mer rouge. Il n'est pas question, non, pas la mer rouge, ça mon corps fait en flac, moi. Non, fait en flac là. Non, la mer rouge. C'est devant la mer rouge même. Mais c'est ma bon désir. Reste dans le silence, mon pouvoir la mer là devant vous. Ça est mon désir. Tu as besoin de croire là-dedans. Le problème là, il est là, oui. Tu n'as pas vraiment dans une situation difficile. Tu n'as pas vraiment dans une situation compliquée. Nous ne pouvons pas régner ça. Nous ne pouvons pas dire comme si nous n'avons pas dans une situation difficile. Mais seulement, nous pouvons sortir là-dedans au nom de Jésus. Ça m'a là, dans qui m'a été là, pour vous continuer à confesser la parole de la foi, pour vous continuer à dire avec moi la bouche, qui m'a vous sortir de sa maladie là. Ce problème familial, dans qui m'a trouvé là. Votre famille peut dévier en bas là-haut, comme si elle était cassée. Vous confessez, vous déclarez que ma famille pour rétablir, pour une restauration au sein de ma famille. Vous causez comme ça. Mes enfants finissent tombés dans la drogue. Ils peuvent empirer là-dedans, ils peuvent tomber plus là-dedans. Mon père, attention, il a le mort avec ça. Non, pas cause comme ça. Il faut même être capable de mort avec ça. Déclarer. C'est ce qui est plus fort que ça, puissant de la drogue là. Est-ce que c'est plus fort que ça, l'esprit de la drogue qui peut encercler l'île là, qui peut rendre esclave, pour confesser au nom de Jésus-Christ que mon garçon peut bien sortir là-dedans. Pour déclarer que mon garçon peut sortir là-dedans. Et mon pétrole sortir là-dedans. C'est ça, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est ça qui est important, mon frère, mon Seigneur Christ, qui nous déclarait, qui nous confessait, qui nous dit, si tu confesses, elle allait dire, le verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous savez, il cause la bouche, après il cause les cœurs. Ce qui te croit dans tous les cœurs, tu peux confesser. Ce qui te confesse, il peut pénétrer dans tous les cœurs. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans tous les cœurs que Dieu finit ressusciter des morts, tu peux sauver. C'est simple, ça va être difficile.
L'évangile, jamais été difficile. Il n'est pas compliqué, l'évangile. Il suffit qu'il te croit. Te croit avec tous les cœurs et te confesse avec toute la bouche. Ou pas dire, la bouche, c'est un mot dans les cœurs, en don, peut causer de me croire. Non, pas comme ça. Ou bien dire avec la bouche que vous croyez. Ou bien faire confession. Ça cause même qu'il nous fait faire confession. Seigneur, invite-toi dans nous les cœurs. Rentre dans nous la vie. Nous recevons-toi comme un sauveur personnel. Sens-nous la vie. Pardonne-nous, Seigneur, tiens-nous dans malédiction, tiens-nous dans condamnation. Délivre-nous de tout lien ancestral, malédiction ancestrale, qui n'a pas existé dans nous la vie, depuis que nous finissons le salatier là, qui fait venir des générations, des Seigneurs, délivre-nous. Cause comme ça. Déclare au salut, déclare victoire, déclare guérison dans le nom de Jésus-Christ. Crois dans sa bonté véritable qui finit dans Jésus-Christ pour là. Crois que Dieu finit ressuscite lui entre les morts. Résister d'entre les morts veut dire pour capable gagner une victoire. L'eau, la mort. Jésus-Christ finit vaincre la mort. Résurrection de Jésus-Christ, ça veut dire qu'il finit vaincre la mort. La puissance de la mort qui est manifestée par maladie, qui est manifestée par détresse qui a accablé du monde, par accident, par piège qui présente devant eux. D'accord? Là, il y a un verset 10, il dit, c'est en croyant du cœur qu'on convient à la justice. C'est quand tu crois avec le cœur que tu es capable d'être accepté de Dieu. Parce que quand tu crois avec le cœur, tu peux confesser avec la bouche que tu es quelqu'un accepté de Dieu. Tout à l'heure, moi, tu dis, moi, tu montres où, frère, comment les dire? Par tes paroles, tu seras justifié. Quand tu déclares que tu es quelqu'un justifié, tu es quelqu'un qui est accepté de Dieu, tu fais une vie d'un enfant bon Dieu maintenant, tu as communion avec bon Dieu, tu vis une réalité dans toute la vie. Ici, il dit, c'est en confessant, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. D'accord? Vous pouvez confesser avec la bouche, vous pouvez déclarer, pas que négativement. Et bon, la Bible met nous en garde, qu'est-ce qu'il dit nous dans Ephésiens 4, verset 25? Il dit, renoncez aux mensonges, arrête cause mensonge, cause ce qu'ils vont les dire. Dieu le véritable message. Arrête cause bonne parole qui n'a pas besoin de causer. Connais qui causait. N'a pas cause menti. Si bon Dieu était capable de guérir toi, qui fait quoi dans la mensongerie, qui bon Dieu pas capable de guérir toi? La mensongerie divine du diable. Le diable qui dit, Adam, il y a un mensonge à frilage, ce n'est pas pour moi. Quand bon Dieu dit que c'est autre mensonge, c'est pour moi. Là, bon Dieu dit, toi, tu es capable de guérir toi, tu dis, le diable dit, tu n'es pas capable de guérir. Et tu crois, lui, tu dis, ah, comment tu es capable de guérir? Tu peux causer ce langage, tu peux causer le langage de Dieu. Renoncez aux mensonges. Que chacun de vous parle selon la vérité. Parle selon la vérité de la parole. Dis ce qu'est la parole de Dieu dire. Dis ce qu'il promet de Dieu dire. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il n'y ait aucune parole mauvaise parce que tu de nous la bouche. Pourquoi vous connaissez qui veut dire une parole mauvaise? Pas une cause, une cause, une parole sur le bruit de bac. Vous ne pas où la bouche vient, comme dire, un canal. Un canal, comme dire, de le sale, puis sortir de ce canal-là. Ou bien, il y a une bouche qui, comme dire, un venin peut sortir. Comment peut comprendre même parole mauvaise? Mais quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Qui a une bonne parole sortie de la bouche qui peut être utile pour l'édification, qui veut dire, qui peut fortifier un du monde, qui peut bâtir dans la vie du monde, qui peut construire dans la vie du monde, qui peut encourager quelqu'un pour prendre une bonne décision, qui peut motiver un du monde pour aller de l'avant, qui peut pousser un du monde pour chercher sa face de Dieu. Right? Une bonne parole. Et qui communique une grâce. Qui ne même pas une bonne parole là, ça? Une parole qui communique bénédiction dans la vie du monde. Ou pas, il ne faudrait pas cause négativement. Nous pas même quelqu'un qui cause négativement, à gauche et à droite, mais nous cause ce qu'ils vont dire. Même parole de grâce. Parole de grâce veut dire même parole de bénédiction. Vous trouvez quelqu'un dans une situation difficile, il y a le Seigneur avec toi, qui sur la paix, sur la grâce est avec toi. Tu peux sortir dans sa situation. Tu peux encourager. Dieu peut être libérateur de sa situation. Prophétise-le. Prophétise le bon famille, prophétise le bon enfant, prophétise le bon peuple dans l'église. Prophétisez cause ce qu'ils vont dire, déclare ce qu'ils vont dire, annonce ce qu'ils vont dire, déclare, prophétise les promesses de Dieu. Prophétise le sans maladie, la diable maladie au nom de Jésus-Christ,
pour qu'on veut ces mots déclarés te fait disparaître. Déclare ce qu'ils vont te dire. Prophétise de ta famille qui est malade. Dis-lui au nom de Jésus qui te peut restaurer, te peut rétablir. La porte peut ouvrir devant toi. L'avenir pour toi. Mon Dieu peut ouvrir la porte pour toi. Dieu peut intervenir dans ta vie. Cause comme ça. Déclare ce qu'ils vont te dire. D'accord? C'est tellement important. Merci Seigneur. Et puis il dit dans Éphésiens, le chapitre 5, verset 4, il dit qu'on n'entend ni parole déshonnête. Qui va dire parole déshonnête? Ben parole grossière, incessante, obscène. Il y a même parole, ben, il dit qu'il ne faudrait pas nous prononcer. D'accord? Même propos insensé, qui bête, qui stupide, qui vaut rien, qui n'est pas pour encourager du monde, qui n'est pas pour édifier du monde. On n'est pas toute parole qui édifie du monde. On ne peut pas dire une parole à du monde découragé. On est l'immense avec mon Dieu, d'abord dans le Seigneur. Les relâcher. Il y a même plaisanterie malsaine. Et il y a même plaisanterie parfois nous faire, en famille, etc. Mais même plaisanterie malsaine, il ne faudrait pas nous faire. Hein? Ça nous faisait éviter parce que ce n'est pas bon devant mon Dieu. Il souhaite notre influence. Choses qui sont contraires à la bienséance. Ce n'est pas totalement dans le plan de Dieu. La bienséance, c'est ce qui bon Dieu voulait. Même bien qui bon Dieu voulait. Comment les choses besoin aussi. Comment les choses besoin être. Nous besoin dans sa direction la même. Est-ce que d'autres la même? Alors, c'est comme besoin, les temps perdent vite. D'ici, les temps perdent très très vite. Right? Laisse-nous quitter un dernier verset et puis nous continuer la prochaine fois. Parce qu'il y a même qui sont besoin de dire ou encore, qui m'ont laissé dire aujourd'hui. Il y a nous dans Colossiens, le chapitre 3, verset 17. Il y a quoi que vous fassiez, n'importe quoi qui te fait, en parole ou bien en œuvre. On aurait dit, Colossiens chapitre 3, verset 17, dit, n'importe quoi qui te fait, qu'il y ait en parole ou bien en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. D'accord? Que veut dire faites tout au nom du Seigneur Jésus? En rendant perdu des actions de grâce à Dieu le Père. Qui veut dire ça? Il veut dire que, ça quitte ce qui me peut dire là, est-ce qu'il peut glorifier pour ça? Parole là. Est-ce qu'il peut être content parole là? Est-ce que le nom de Jésus qui peut être élevé à travers sa parole là? Est-ce qu'il peut être honoré à travers sa parole là? Ce qui me peut dire là. Et puis, en œuvre. Est-ce que sa action, la décision que mon fils prend là, sa comportement là, sa attitude, la direction que mon fils prend là, est-ce qu'il peut être honoré? C'est ça qu'il veut dire. Quoi que vous fassiez en œuvre ou en parole, faites tout au nom du Seigneur Jésus, c'est ça. Faites au nom de Jésus, veut dire, comme on dit, mon pronom Jésus-Christ, dans la question que mon fils fait là, mon pas pour nous, c'est l'une qui passe selon la volonté de Dieu, ni pas pour prendre plaisir. Il faudrait qu'ils puissent être honorés à travers cette situation-là. D'accord? C'est tellement important. Combien de fois nous faisons faire mal ceux qui vont dire pas bon plaisir? Combien de fois nous faisons prendre une direction qu'ils inscrivent si pas là-dedans? Combien de fois nous faisons publier, nous faisons annoncer même ceux qui inscrivent son nom pas peut être élevé là-dedans? Pas bon. Alors ce qui veut dire pas budget, c'est tellement important que nous devons prendre et bonne décision appropriée pour qu'il simplement nous capables rentre dans le plan total de Dieu concernant nos bonnes déclarations, nos bonnes paroles qui nous prononcent, veille nos paroles, connais qui nous peut causer, connais qui nous peut dire. Parole, c'est une sémence, ça. Quand on peut causer, c'est une sémence. Pareil, quand on cause la parole de Dieu, c'est une sémence, ça, la Bible dit. La parole de Dieu, c'est une sémence. Et paroles que vous prononcez négativement, là, c'est une sémence, ça. Par exemple, il y a un fatac, il y a une épine, il y a une ronce. Il y a une sémence, ça. Il y a une sémence, ça. Fruits aussi dans cette sémence. Légumes aussi dans cette sémence. D'accord? Toute bonne sémence, c'est de Dieu. Toute bonne mauvaise sémence, c'est du diable. C'est de l'ennemi. Ce qu'il nous vient faire, nous vient veiller à ce qu'il y a en tout temps. Une bonne sémence qui nous peut aider dans nous la vie, des aides dans la vie des autres du monde, pour permettre qu'il nous réussisse dans la vie, pour permettre qu'il nous avance dans la vie. La prochaine fois, je vous cause avec vous et la différence qu'il y a entre la bouche d'un juste, d'un quelqu'un qui vient justifier un enfant de Dieu, avec la bouche d'un méchant, d'un quelqu'un qui n'a pas fini de croire dans la justice de Dieu.
Un méchant, c'est quelqu'un qui n'est pas croire dans la justice de Dieu. La justice de Dieu, il n'est pas croire là-dedans parce qu'il y a sa propre justice pour lui. Il a sa propre façon de faire. Lui. Il a sa propre justice. Alors, qui se l'embouche, qui lui déclare ça à quelqu'un là? Et l'autre qui marche par la justice de Dieu, là, qui lui causait tous les jours de la vie sans nous pour guetter. Et la prochaine fois, et moi pour causer avec vous aussi la prochaine fois, concernant Zach, le chapitre 3, quand il cause avec l'eau, la langue, comment il y a un petit membre, mais il y a comment la gêne, il y a comment l'enfer. La langue, il y a comment l'enfer, il est capable de brûler un grand la forêt, la Bible. Ça, nous vous guettez la prochaine fois, et bien sûr, nous vous servez l'exemple Zob avec vous, pour dire comment Zob, même les films pas dans ma plus grande épreuve que beaucoup du monde m'a fait passer, mais à aucun moment, il n'est pas fait pécher devant bon Dieu, il n'est pas fait cause négativement le bon Dieu. Ça, nous réserve ça pour la prochaine fois. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. D'accord, mon frère et soeur en Christ, à notre peuple de Dieu, nous vous demandons maintenant, vous priez pour vous, vous priez pour vous, et vous priez que bon Dieu prenne contrôle de nous la langue. D'accord? Il est possible qu'il n'y ait pas la langue qui est sous l'influence. Right? Mais un démon utilise la langue pour cause n'importe qui cause qui n'a pas besoin de Dieu. C'est lui-même qui pousse pour dire ben, qui se cause mal contre bon Dieu, qui critique bon Dieu, insulter bon Dieu, insulter ce même enfant, insulter ce peuple. D'accord? C'est le diable. C'est dans l'influence que la bouche ben, du monde. Pousse ben, du monde pour insulter les autres mêmes, cause mal les autres mêmes. Au nom de Jésus-Christ, mon point d'autorité contre toute mon influence qui inspire man, du monde, la langue, de la bouche, pour cause, man, cause qui parvient de Dieu, pour prononcer malédiction les autres mêmes, les autres, prononce une parole de malédiction contre Dieu, mon prend l'autorité contre sa man, l'influence là maintenant même dans le nom de Jésus. Seigneur, mon prie-toi que ça mène la langue là, d'y être libérée pour toute la gloire. Mon libère ça mène la langue là maintenant même dans le nom de Jésus. Mène la langue qui profère, mène insulte, mène la langue qui cause négativement, mène la langue qui prononce malédiction, mène la langue qui vraiment qui calomnie, Seigneur. Mon prends l'autorité contre sa main d'influence là, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mène la langue négative, mène la langue qui prononce ma parole remplie de négativité me prend l'autorité maintenant même dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour prier toi, Seigneur, que tu oins la langue là maintenant même, qui appartient maintenant, Seigneur, je confesse ta parole, qui appartient maintenant, Seigneur, je te plonge, je te regarde dans ta parole, je te confesse simplement ta parole, je déclare ce qui te déclarait, je confesse ce qui te confessait, je confesse ma parole de la foi. Nos urbaines situations, nos urbaines circonstances, et qu'ils te remportent la victoire pour la gloire de ton nom. Me libère ça ben la langue là maintenant même, et me confesser maintenant même dans le nom de Jésus, qui ben vénin d'y tomber, qui ben vénin d'y tomber dans le nom puissant de Jésus Christ. Ben la langue de l'enfer, de la géhenne, d'y détruire par la puissance du feu du Saint-Esprit, maintenant même dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, qui la vie de Dieu, les vienne en réalité. Pour la gloire du Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Ok, mon frère, mon soeur, en Christ, nous réunions finir sans fin. Nous vous sentons à cantique là, qui nous bannent récit, sentez tout à l'heure là. Nous vous sentons maintenant pour la gloire du Seigneur. Et nous donnons rendez-vous la prochaine fois, mardi prochain. Sans oublier que dimanche, nous nous réunions à 10h, la Rille Ecclesio, Full Gospel Church, la voie de la délivrance. Au Kaba Minzon, nous vous priez pour la gloire du Seigneur. Merci. Amen. Alléluia. Si Jésus, salimo désir ou adore-toi de tout mot lesquels me louer-toi. Ce qui m'a
donne-toi mon léquer, donne-toi mon âme, mon vivre pour toi, Seigneur, dans tout ce qui me fait, dans tout ce qui me dit, qui te nomme. Qui te nomme,